Salut à tous, c'est Rolien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le Battle Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus vs Bugatti, la voiture noire comme promis. Laquelle des deux est la plus rapide? La voiture noire étant la meilleure voiture du jeu depuis maintenant plus d'un an et demi. Est-ce que la Chiron 300 Plus la détrône? C'est ce que vous allez voir dans tous ces tests. Je vais vous laisser apprécier tous les tests un par un. Et on se retrouve en fin de vidéo dans très peu de temps pour débrief de tout ça.
Donc voilà, vous avez pu voir tous les tests et c'est plutôt intéressant dans la globalité. Pour les premiers tests de VMAX, bon bah là, pas de surprise, la Chiron Supersport est largement devant. Elle est même plus rapide que n'importe quelle autre voiture, juste avec sa Nitro, alors que les autres doivent avoir toutes de l'aspiration et sont encore en dessous en termes de VMAX. Donc niveau VMAX, largement au-dessus pour la Chiron Supersport par rapport à la voiture noire qui est déjà l'une des meilleures à ce niveau. Pour ce qui est ensuite du drag race, alors là c'est un test plutôt intéressant et qui reflète bien un petit peu le comportement de la Chiron Supersport. Pour les drag race, comme on peut le voir sur le départ, la voiture noire part un petit peu mieux, enfin elle part exactement en même temps, mais le départ est plus rapide sur la voiture noire, elle bondit plus facilement et donc on a une avance qui se fait dès le début pour la voiture noire et la Chiron Supersport ayant une accélération un peu moins bonne finalement sur le 0 à 150 voire 0 à 200, eh bien va mettre un petit peu de temps à la rattraper, pas trop non plus mais un petit peu de temps. Du coup, ce qui fait que sur la drag race sans nitro, c'est assez serré entre les deux tout de même. À la fin, on voit que la Chiron Supersport franchit la ligne d'arrivée avec 20 km/h de plus, mais finalement franchit la ligne un seul dixième devant. Donc c'est serré, mais on voit que l'accélération commence vraiment à bien pousser sur la fin de la ligne droite et que c'est pour ça que la VMAX est plus élevée à la fin. Pour ce qui est du test nitro, c'est pas spécialement une surprise pour moi. Alors la nitro est légèrement décalée entre les deux runs, mais ça change globalement rien au résultat, je peux vous l'assurer. La voiture noire a une puissance nitro qui est quand même bien supérieure à la Chiron Supersport, d'où le fait que la voiture noire finisse légèrement devant par rapport à la Chiron Supersport sur cette petite ligne droite de l'aéroport de New York. Après, il faut bien vous dire que pendant une course, eh bien, effectivement, sur le départ, vous avez perdu un peu de temps par rapport à la voiture noire, mais après, une fois que vous êtes lancé, et donc l'accélération à haute vitesse étant meilleure sur la Chiron Supersport, finalement, eh bien, ce ne sera pas un handicap. Ensuite, pour ce qui est donc du tour sur circuit, là, c'est assez serré. La Chiron Supersport est légèrement devant, ce qui montre bien qu'elle a quand même une très très bonne maniabilité, malgré qu'elle ait une moins bonne accélération au tout début, une moins bonne puissance nitro. Donc, c'est très serré entre les deux. C'est normal, étant donné qu'on est sur un circuit qui est très petit. Mais il faut bien vous dire que cet écart est bien plus grand selon les courses du jeu en termes de courses d'hypercar. Donc, vraiment, là encore, la Chiron Supersport est devant en termes de maniabilité, d'accélération à haute et moyenne vitesse de VMAX. Et on a ensuite le 0440 0 km/h, où là aussi elle est largement devant sur le résultat final, cette Chiron Supersport. Mais on regarde bien les chiffres, et bien on remarque que le 0 à 100, 0 200, voire même je crois 0 300 est légèrement inférieur pour la Chiron Supersport par rapport à la voiture noire. C'est le temps qu'elle perd au 0 à 100 finalement qui est assez long. Mais après ça, elle va rattraper de fou la voiture noire pour carrément lui coller 3 secondes à la fin. Donc ce qui est plutôt énorme, elle a d'ailleurs un meilleur freinage que la voiture noire. Donc dans la globalité, voilà. La Chiron SS est plus puissante sur la quasi-totalité, enfin plus rapide, plus gagnante sur la quasi-totalité des tests, à part le Drag Race Nitro, mais concrètement, sur une vraie course, la Chiron Supersport sera largement devant cette voiture noire, à part peut-être sur Hollywood où la voiture noire rivalisera. Donc voilà pour ce battle, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces voitures. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu, à cette vidéo, à vous abonner, c'est pas du fait, activer la cloche pour ne plus qu'une des prochaines vidéos. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine et ciao ciao. Allez, bye!